Après le sac des Jeux africains et l'accueil chaleureux qui leur a été réservé par le ministre des Sports et le public sénégalais, aujourd'hui c'est au tour de la Fédération sénégalaise de football de leur remettre leur prime de participation. Une prime bien méritée selon le président de la Fédération sénégalaise de football. Donc leur performance retentissante aux Jeux africains à Brazzaville, la Fédération a senti le besoin de leur remettre des primes dans un cadre très, très officiel, vraiment pour leur rendre hommage, leur témoigner la reconnaissance de l'ensemble de la famille du football et du monde sportif. Selon le président de la Fédération sénégalaise de football, la somme octroyée au Lyon U23 n'est pas importante, mais un merci pour leur performance. Globalement, chaque joueur a reçu 1 550 000 que le football a voulu quand même accompagner encore plus compte tenu de la spécificité du football et de la motivation supplémentaire que nous voulions donner. Une occasion pour mettre Senghor de galvaniser les Lions pour les compétitions à venir. Ces jeunes prennent date avec l'avenir parce que s'ils ont pu ramener un trophée, un titre africain à moins de 23 ans, on ne peut rien moins attendre d'eux. Qu'ils puissent nous amener un titre continental en équipe A, mais plus près de nous, qu'ils puissent nous confirmer cette belle victoire aux Jeux africains par un titre ici au Sénégal lors de la CAN des moins de 23 ans. Une cérémonie de remise de prime marquée par la présence des autorités fédérales qui affirment qu'une caravane sera organisée à Gingenchor pour rendre hommage à Momodou Salif Ndiaye.